Yo tout le monde, c'est Tainer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner de l'argent très facilement. Vous n'avez rien à faire avec AI Marketing. Donc déjà, il faut commencer par la base. Vous aurez besoin d'un code, on va dire parrain, pour profiter de 50$ du coup de bonus de préinscription. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. De toute façon, là, on va partir. Du coup, c'est la partie s'inscrire. Donc juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc s'inscrire, vous aurez bien sûr le code dans la description. Il faut bien penser à prendre celui-ci, le petit logo bleu, pas se connecter avec les autres, ça sert à rien, mais vraiment avec celui-là, si vous voulez vraiment avoir les 50€ de cadeau en bonus. Donc là, il vous demande de vous connecter, vous n'avez encore pas de compte, donc register, no. Ici, le code, donc on va traduire, hop. Donc c'est ici qu'il faut rentrer le code. Si vous vous inscrivez sans affilié, continuez l'inscription si vous n'êtes pas d'affilié, sinon vous obtenez un lien d'affiliation correct et revenez. Donc vous aurez, je vous montrerai peut-être aussi mon lien de parrainage, donc là pas de problème. Donc si vous rentrez du coup le code, donc si je trouve le lien, je vous mets le lien de parrainage et pensez bien à rentrer ce code qui sera bien sûr dans la description pour pouvoir profiter, bénéficier des 50$ de bonus en plus. Donc on va, je vais vous expliquer ça après. Ici le prénom, le nom de famille, l'adresse mail, le mot de passe et le mot de passe pour le confirmer. Confirmer que vous n'êtes pas un robot et puis s'inscrire. Normalement c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, après une fois que vous êtes connecté, tout ça, vous aurez ici du coup votre balance des annonces 50$. Donc c'est 50$ que fournissent du coup AI Marketing qui vous les prête pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne et tout ça, pour vous donner un petit peu de profit, donc vraiment pas beaucoup. Suffisamment pour du coup après que vous réinvestissiez de l'argent pour pouvoir gagner plus. Donc là, balance des annonces, ce sera 50$. Donc il faudra attendre le temps déjà que ça s'actualise, le temps qu'ils prennent en compte que vous avez vos 50$, que l'inscription s'est bien fait comme il faut. Et tout ça, ça prend, ouais, on va dire 48 heures, 48 heures, donc 3 jours, 2 jours, 3 jours, c'est fait. Donc après, vous aurez ma publicité. Donc là, comme là, moi actuellement, le robot il dort, donc parce que je n'ai pas donné d'argent. Donc mon cashback est de 95,89 €. Donc mon budget publicitaire c'était 50$ du coup que AI Marketing m'a prêté et j'ai rajouté 10$ en plus. Donc voilà, ça m'a fait un total de 95,89$. Donc 60. Donc 95, on va faire le calcul, j'ai gagné 95€. Alors 95, on va arrondir 95 avec 96 parce que c'est pourquoi des 96. Moi, du coup, les 60€, ça me fait un bénéfice du coup de 36€, soit un bénéfice de 59%. Donc, c'est vraiment top. 36€ que j'ai gagné sans rien faire, du coup, juste en investissant réellement de ma poche 10$. Donc, voilà, ça fait quand même pas mal. Donc, là, on peut voir du coup que là, des moments, ça monte à 14, 12, allez, 12$. Là, des fois, bon, malheureusement, ça descend à 8. Et des fois, ça monte voilà, jusqu'à 19. Donc, ça peut valoir le coup sur 7 jours, du coup, bon, voilà, ça varie. Là, des jours, vous aurez gagné plus, là, des jours, moins. Donc, là, des jours, vous gagnerez 1€, des jours, 10€. Donc, voilà, c'est vraiment c'est de la vague, hein, ça varie, ça fonctionne. C'est en fonction des achats des utilisateurs. Donc, après, AI, assistant, donc voilà, bon, c'est l'assistant. Donc, bon, j'en ai pas eu trop besoin parce que ça c'est simple au final. L'achat au rabais, donc ça c'est pareil, j'utilise pas, je pourrais l'utiliser peut-être pour gagner plus. Voilà, récupérer une partie de votre valeur de votre achat, inviter vos amis dans le monde et je récupère 5% de leur achat, partager un lien vers un produit. Bon, voilà, bon, c'est apparemment c'est un lien sponsor. Le cashback hors ligne, faites votre achat hors ligne dans vos magasins locaux. Préférez bénéficier d'un excellent cashback, donc ça c'est vrai que c'est pas mal sur Auchan, McDo, KFC, Subway, Lidl, Carrefour. Donc voilà, vraiment pas mal de petits. Et judicieux désormais d'encaisser chèque au registre et obtenez 1,5% de réduction, donc ça fait pas grand chose. Mais si vous faites ça à chaque fois, vous aurez quelque chose de correct. Donc par exemple, pour McDo, vous en avez pour 30€, voilà, vous obtenez 1,5, ça fait, je ne sais pas, deux têtes comme ça, on va dire, entre. Je ne sais pas du tout le calcul. Ça fera peut-être 1€, 2€ dans votre poche sur 30€, donc c'est vraiment pas mal. Surtout que si vous le faites pas, vous n'êtes pas remboursé, et puis là vous pouvez gagner quand même 2€, c'est pas grand-chose, mais sur le long terme ça fait quelque chose. Donc ensuite, mon marketing, bon bah là c'est pour créer une page d'accueil, moi j'ai pas fait qu'on peut voir, donc vente, donc voilà. Là c'est une partie un peu plus importante, donc les parties les plus importantes c'est du coup ma publicité, vente, cashback, stats, complétées, transférées.
Le reste, ça. Donc, dans vente, du coup, c'est marqueur boot, donc c'est ce qu'il a fait. Donc, là, c'est par exemple, il a vendu 290 $ pour un taux à 1,60. Donc, mon cashback, c'est 2,55 €. Et bah, il prend un petit pourcentage aussi dessus. Hein, donc, ça me fait 2,09 €. Et il me faut 20 jours pour que je puisse récupérer, du coup, les 2,09 € du cashback. Donc, voilà, le statut, c'est en attente. Comme on peut voir ici, ça a mis 19 jours. Donc 19 jours apparemment à partir de la date du 3/3/2021, donc 19 jours après le 3/3, donc 20, 21, 22. Donc normalement, voilà, le 22, ça a été approuvé, j'ai gagné du coup 2,05 €. Là, du coup, 22 jours à partir du 5, donc ça me fait du coup 22, 27. Normalement, le 27, je récupère celui-ci, les 1,28 € sera dans mon balance. Donc celui-là, le 5,03, donc le 25, donc demain à l'heure où je fais cette vidéo, je récupérerai du coup les 2,09 €. Nana, qu'ils ont été approuvés parce que du coup c'est 19 jours, 19 jours, la date a été faite du coup plus tôt. Nana, c'est 36 jours d'attente, 41 jours d'attente. Bon voilà, là des fois c'est énormément d'attente, mais après voilà, le jeu en vaut la chandelle comme on le dit. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici approuvé, j'ai gagné 4,58 €, enfin 4,85 €. Là c'est pareil, 5,64 €, ça vaut quand même. Ça vaut quand même le coup. Là, 28 jours, voilà, on attend 4,13 €, donc ça vaut vraiment le coup. Faut être patient, hein, donc voilà, ça prend un mois pour avoir des bénéfices assez corrects, on va dire un minimum correct pour être dans le positif, donc voilà, 36 $. Donc voilà. Donc voilà, le cadeau de certificat, donc c'est 50 euros que c'est fourni grâce à mon code parrainage, du coup. Utilisez-le vraiment parce que ça peut, du coup, vous avez gagné 50, enfin vous. Au lieu de vous investir de l'argent pour que le robot puisse travailler, là déjà avec 50 $ fournis par le robot, il peut travailler, commencer à vous faire des revenus. Malheureusement, il faut les rendre après, c'est bien dommage. C'est vrai que cadeau de 50 euros comme ça, c'est assez énorme. Mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Excusez-moi, donc voilà, faut vraiment prendre le code et vraiment si j'ai un lien, prenez-le aussi pour pouvoir en bénéficier. Ça vaut réellement le coup. Hein. Et moi, j'ai juste investi réellement de ma poche 10 $, enfin 10 euros du coup. Enfin 10 $, et ça fait environ sur mon compte, j'étais pris. Ils m'ont pris à peu près 7 euros, 7 ou 8 euros. Donc voilà, vu que les dollars, et puis c'est un truc russe, donc voilà, la conversion des roubles, machin, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on va parler en 50 $. Donc, mon point de vue, j'ai eu 569 personnes qui ont cliqué sur une pub. Enfin, 250 personnes qui ont cliqué sur une pub. Les points de vue, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai vendu 31 produits grâce à la pub. J'ai dépensé du coup 60 $. Donc, les 50 $ de AI Marketing et 100 $, enfin 10 $ dans ma poche. J'ai du coup un profit de 59,89, 82 et 95 euros de cashback. Donc voilà, point de vue, je ne sais pas trop vraiment à quoi ça sert. Donc voilà, visiteur le 5/03, du coup, j'ai eu deux ventes pour 28 visiteurs, pour un montant du coup de 313, et j'ai eu 4,12 €. Donc là, voilà, 10,16 € de cashback. Le 4, le 3, j'ai eu 19,41 € de cashback. Enfin, du moins, c'est ce que je vais avoir une fois que ce sera validé. Donc voilà, les gens quand même sont incroyables. Là, elle a eu 8 ventes. Sur 8 ventes, ouais, ils ont dépensé 100 euros, quoi. Là, sur 2 ventes, wow, 735, quoi. Enfin, les gens, ils sont un peu fous. Là, c'est pareil. Il y en a qui ont dépensé 400 euros à peu près. Oh là là, là c'est des fous. C'est des fous. Donc voilà, après, hop, 10 euros. Donc voilà, 8 euros. Là, ça va encore. C'est le montant encore à peu près correct pour les stated de... D'ici là, après voilà, ouah, 970, voilà 12 euros de cashback. Là, le premier jour, voilà, on n'a pas grand chose tant que ça se mette en place gentiment. Donc voilà, compléter du coup, c'est pour vous réinvestir de l'argent. Donc je vous conseille du coup de le faire, hein. Pas bah, peut-être pas au début, tant que vous prenez confiance au site, que vous comprenez comment que ça fonctionne et tout. Mais voilà, faites-le quand même assez rapidement. Plus vite vous mettez de l'argent et plus grosse quantité vous mettez. Plus vous aurez du profit parfait, enfin énorme. Donc là, moi j'étais à 59 juste pour 10 $ en plus rajouté. Donc là, voilà, j'aurais rajouté peut-être 50 $, j'aurais été peut-être plus vers les 80 $. Enfin, 80% de profit. Là, j'étais à 95 euros pour 10 dollars ajoutés. Donc ça me fait 36 euros de ma poche. J'aurais peut-être rajouté voilà, 50 $, j'aurais peut-être eu 60 $ de ma poche.
avec un profit, enfin du moins avec oui, un cashback de plus élevé quoi. Donc voilà, on peut, bon là il y a du minimum 100 USD, mais moi j'avais pu faire, donc c'est peut-être au début. Au début on n'est peut-être pas limité, on peut peut-être rajouter 10 euros. Donc là après je sais pas si la ligne rouge c'est vrai ou pas, mais au début je sais que j'ai pas mis grand chose à hein, 10 dollars, donc peut-être qu'on pouvait. Donc on peut du coup là utiliser avec mon cashback, bah, parce que j'ai remboursé déjà le AI Marketing des 50 dollars, je les ai remboursés, donc je peux réutiliser mon cashback. Je peux du coup le prendre depuis une carte Visa, Mastercard, une carte Mir, Apple Pay, Google Pay, Kiwi, donc Bitcoins. Donc voilà, là, vraiment pas mal de crypto-monnaies aussi. Donc voilà, on va prendre par exemple. Donc voilà, là je peux pas. Ouais. Il faut vraiment injecter 100 dollars pour la. Hein, quoi que. Si on peut peut-être. Voilà, 100 dollars. Ouais, non, on est vraiment obligé de mettre les 100 dollars. Une fois qu'on a déjà réinjecté un peu d'argent, il faut voilà, réinjecter 100 dollars. Donc bon, c'est quand même une assez grosse somme. Après, à vous de voir du coup si ça vaut le coup ou pas. Donc voilà, moi j'ai essayé plusieurs fois du coup avec une autre carte parce que voilà. Mais voilà, comme on peut voir, du coup le 2602, j'ai réinjecté du coup 10 dollars. Hein, donc. Étant donné que 10 dollars ça part très rapidement aussi au niveau du budget publicitaire, donc vaut mieux quand même rajouter plus. Donc dans le transfert, c'est là aussi qu'il faudra rendre la monnaie. Donc là, vous aurez avant ça, vous aurez un grand texte en rouge pour vous dire il faut que tu nous rendes l'argent avant. Donc il faut du coup attendre ici que votre cashback ce soit ici écrit 50, 50 dollars, 56, 51, voilà, enfin, plus que 50 pour pouvoir les rendre et prêt pouvoir bénéficier du transfert. Donc là, si je par exemple transférais 6 euros, hop, si je récupérais mais du coup mes 6 euros, je choisis ma méthode. Donc voilà, par carte, du coup, ça me fait 15 dollars. Enfin, le minimum c'est 15 dollars. Vous recevrez 3 USD. Ok, donc apparemment, ils ont l'air de prendre des frais, je pense. Si je prends Bitcoins, ah non, c'est pas par rapport à ça. Donc là, si je crois du coup, si je retire du coup 6 USD, j'ai 2 euros de frais et puis il me faut du coup minimum 10. Donc voilà, vraiment pas mal de trucs. Après, ça, c'est vrai que j'ai pas encore fait de virement. Donc moi, je sais et je vous le recommande du coup d'un peu alterner du coup entre vos retraits. Donc un coup, vous pouvez retirer sur votre compte bancaire, pas trop, sinon ça risque de faire louche au niveau de la banque. Et un coup plus sur le Bitcoin, comme ça après vous pouvez les réinjecter dans votre cashback si besoin. Donc voilà, faites pas des trop gros montants, faites pas un retour sur votre carte bancaire de 500 euros parce que là ça va être cramé, ils vont se dire c'est quoi cet argent, il sort d'où machin, là il y a des enquêtes et ainsi de suite. Vaut mieux quand même le faire sur de la crypto-monnaie et puis voilà. Ou sinon voilà, vous transférez 10 dollars, 10 dollars par exemple tous les 3 mois par exemple, tous les 2 mois, c'est voilà, 10 dollars, c'est pas grand-chose étant donné que ça va se cacher après par vos dépenses avec votre carte, donc votre carburant, votre course, vos courses, vos achats en ligne sur un machin, du coup vos salaires, tout ça, vos aides et tout ça, donc ça va se cacher là-dessus que 500 dollars, 500 euros en tout cas ça se cache beaucoup moins que 10 dollars quoi. Donc voilà, ne mettez pas ne faites pas Ne mettez pas des grosses sommes sur votre compte bancaire, mettez plus sur la crypto-monnaie, là-dessus vous risquez rien. Après, vous pouvez acheter sur certains sites avec de la crypto-monnaie. Moi, je sais que je ne sais pas, je ne suis pas trop une personne très, très habile avec les crypto-monnaies. Donc, j'ai un portefeuille crypto-monnaie, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Enfin, pour le moment, du coup, il n'a rien. Donc, après, la FAQ, tout ça, vous avez pas mal de petits trucs. Voilà, prenez vraiment le lien si je peux vous en trouver un et puis le code, donc vraiment à faire et puis voilà quoi, hein. Donc je vous remontre 59 euros, enfin 59% de profit avec un calbage de 95,89 dollars pour un budget de 60, donc voilà, 36 euros du coup dans ma poche, donc là c'est même plus. Même plus, parce que du coup, le budget publicitaire, pour 1 euro par exemple de budget publicitaire, j'ai peut-être gagné 10 euros. Donc voilà, comme vous pouvez voir là, il me reste encore 38 euros. 38 euros du coup, plus les. Enfin, c'est 38 euros qui sont encore en attente. Encore en attente. 38, 92. Plus les 6,97 euros,
Ça me fait 45 € déjà que je vais avoir prochainement, plus du coup les 50 € de bonus. Du début, 95, 89, voilà, c'est sur ça que je tombe. Donc 95, 89 moins 50, donc 45,89 € 89 dans ma poche. Donc au final, je gagne plus que ce que j'avais dit au début. Donc voilà, ça peut valoir le coup, donc à vous de voir si ça peut vous intéresser. Et puis voilà, je vous dis ciao ciao, et à plus pour